bien. Alors aujourd'hui, eh bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous partager une petite recette de slime sans colle qui est super simple à réaliser et qui fonctionne. Donc si ça vous intéresse, eh bien surtout n'hésitez pas à liker un maximum cette vidéo, n'hésitez pas aussi à la partager et à vous abonner à la chaîne, eh bien si ce n'est pas encore fait, sans oublier d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Voilà, voilà. Et puis aussi mes petits chats, si vous avez plein de petites recettes de slime sans colle qui fonctionnent à me partager, eh bien n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo dans les commentaires. Bon, allez, j'ai assez blablaté et on va commencer ça tout de suite sans plus tarder. Let's go! Alors, pour cette petite recette de slime sans colle, vous allez avoir besoin d'un shampoing de la marque OGX et qui est le Coconut Water, donc surtout celui-là parce que les autres, je ne les ai pas testés et donc du coup, je ne sais pas s'il fonctionne oui ou non, mais en tout cas, celui-ci fonctionne à merveille pour pouvoir réaliser du slime sans colle. Et donc, on va en ajouter un petit peu dans le contenant. C'est parti! Allez, je commence par ajouter un petit peu de shampoing transparent, c'est parti. Alors, j'en ajoute quand même assez bien. Voilà, pour avoir un joli slime, voilà, comme ça, c'est parfait. Alors, comme ce slime est transparent, eh bien, j'ai décidé d'ajouter un petit peu de colorant, c'est parti. Allez, j'ajoute quelques petites gouttes comme ceci et je mélange bien le tout, c'est parti. Et maintenant, eh bien, le secret de cette recette, c'est d'ajouter un petit peu de liquide magique de la marque Elmer. C'est parti! Alors, eh bien, je vais ajouter quelques petites gouttes, voilà, comme ça, c'est parfait. Et je touille. Donc là, du coup, c'est parfait. Et une fois que vous obtenez ce résultat-là, eh bien, ça veut dire qu'on est dans le bon pour obtenir un slime sans colle. Donc du coup, eh bien, voilà, ma petite recette est terminée. C'est parfait. Et maintenant, eh bien, c'est parti pour faire reposer cette petite préparation dans le congélateur pendant 20 minutes. Et je vais également la laisser reposer ensuite pendant 5 minutes à l'air libre. Donc c'est parti. Je vous retrouve juste après pour le résultat. Let's go. Me voilà de retour, mes petits chats. Donc voici ma petite préparation sortie tout droit du congélateur. Donc c'est parti, on va vérifier si ça a bien pris, si ça a bien fonctionné. Allez, on va vérifier le résultat final, let's go. Donc c'est parti, je commence. Alors là du coup, c'est assez gluant. Oui, j'ai obtenu une espèce de petite gélatine. Super. J'ai l'impression que ça a bien pris. Waouh, une gélatine, trop chouette. Oui. Alors ça colle. Mais du coup, j'ai obtenu un slime. Je suis trop contente. Donc voilà à quoi ça ressemble, mes petits chats. Donc voilà ce que j'ai obtenu avec cette petite recette. Franchement, trop contente. Donc j'ai une petite gélatine comme ça. Vraiment très très chouette. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Alors ça colle un peu, mais j'ai obtenu un joli slime. Donc c'est encore hyper congelé à l'intérieur. Hein. C'est hyper froid. Donc ce slime est vraiment bien lié, donc c'est super. Franchement, ça a méga bien fonctionné, je suis vraiment contente. Alors par contre, il colle, vous voyez, mais c'est plutôt pas mal. Il est plutôt bien réussi, je trouve. Donc n'hésitez pas à me laisser toutes vos petites recettes de slime sans colle, mes petits chats, dans les commentaires, pour que je puisse les tester dans de prochaines vidéos. Mais en tout cas, très satisfaite de cette petite recette-là. Bon, et bien voilà, les petits chats, cette petite recette de slime sans colle est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura été utile pour pouvoir la réaliser. Si c'est le cas, et bien surtout, n'hésitez pas à liker un maximum cette vidéo. N'hésitez pas aussi à la partager et à vous abonner à la chaîne, et bien si ce n'est pas encore fait. Sans oublier d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Voilà, voilà. Et puis aussi, et bien n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez réussi chez vous, à la maison, cette petite recette de slime sans colle. Donc n'hésitez pas à me faire savoir tout ça dans les commentaires. Et puis quant à moi, et bien je vous fais des méga gros bisous. Surtout prenez soin de vous. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.